Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une petite démonstration d'un tour de cartes assez intéressant qu'on a mis dans la catégorie impensable. On avait sorti il y a quelque temps une version où on devinait une carte parmi trois cartes choisies dans des conditions, c'est vrai, impensables pour le public. Alors bien sûr c'était un très grand classique, hein, c'était connu et d'ailleurs ça a bien marché, ça a bien plu. Donc du coup on a décidé de vous montrer une version un petit peu plus haut de gamme. C'est le même thème, mais poussé beaucoup plus loin. Et vu qu'ils ont l'autre version, ils vont voir que c'est complètement différent. Complètement différent, tout à fait. Et donc voilà. Donc, ça. Et puis en plus, c'est un tour qu'on appelle, nous, on va dire impromptu. Non, impromptu, le terme ne serait pas bien vrai, mais improvisé, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où du moment qu'on a prévu la condition pour pouvoir le faire. Donc ça se fait avec un jeu de cartes, 52 cartes toutes différentes. Alors les cartes sont, bon là forcément hein, c'est nos cartes à nous bien évidemment, je vais faire le tour à Thierry. Alors, je connais l'astuce, mais voilà, donc, on va tout faire pour pas que tu... Il connaît l'astuce parce qu'on l'a... On l'a fait ensemble, on l'a travaillé ensemble, mais le jeu de cartes est bien évidemment dans cette expérience, et c'est ça qui est très beau, emprunté, c'est-à-dire qu'on peut vous arriver chez des amis, ils ont un jeu de cartes, n'importe lequel, et même s'il manque des cartes dedans, on s'en fout, et vous allez pouvoir faire cet effet-là. Donc, alors, je dois choisir 4 cartes. Donc, exactement. Pour vous prouver que je choisis 4 cartes au hasard, je vais mélanger le jeu. Alors l'idée avant qu'il fasse tout ça, c'est que moi je me retourne, donc je suis vraiment retourné, je vois rien, à la limite je pourrais même dans une autre pièce. Il va choisir 4 cartes complètement ordinaires, et moi je vais tenter une petite expérience de fou furieux. D'accord. Donc je me retourne, et donc Thierry, ce que tu vas faire, donc tu vas bien mélanger les cartes. Si tu as envie, tu peux même les choisir comme ça, mais bon, si tu les choisis comme ça, on va dire qu'on a été complice et que forcément je les connais. Non, mais il y a Michel, il va me m'aider. Voilà. Tiens, choisis 4 cartes, Michel. Il n'y a aucun intérêt. Au hasard. Donc du coup, voilà, c'est le mieux, c'est de prendre des cartes complètement au hasard. On met là. Ce que tu veux. Et une fois que ces 4 cartes auront été prises, voilà, vous allez vous en souvenir. Ce que tu veux. 3. Et au hasard. Allez, vas-y, vas-y. C'est important. Et 4. Allez. Voilà. Maintenant, Thierry, tu les mets dans l'ordre que tu as envie, ou Michel, peu importe. Je mélange. Voilà. Et on les montre à la caméra. Voilà. Ça, c'est une. Donc, maintenant, je vais te demander de me mettre les cartes face en bas dans ma main, ok? Et la première carte, pour toi, hein, Thierry, sera la carte qui sera visible, c'est-à-dire celle qui est face à toi, d'accord? Ça, c'est la première, puis celle du dessous, la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. On est d'accord? Donc, toi, je te les mets face en bas. Face en bas, pour pas que je les vois, parce que déjà, bon, je vais pas les regarder, mais voilà. Donc, tu me les mets donc, dans la main, et je récapitule que... Alors, j'avance... Voilà, donc pour toi, là, elles sont face en bas. Face en bas. Elles sont face en bas, d'accord. Donc ça, celle du dessous, pour toi, c'est la première, d'accord. Oui, oui, okay, c'est celle et ainsi de suite. Et ainsi de suite, ok. Donc je peux me retourner maintenant. Oui. Donc tu es d'accord avec moi, de cette façon-là, je peux faire tout ce que j'ai envie, toucher les cartes, les palper, les déchirer, les corner. C'est impossible pour moi de connaître les cartes que tu m'as mis dans les mains. Elles sont dans ton dos, c'est logique. Tout à fait. Donc maintenant, je vais me retourner, mais en ayant les cartes derrière le dos. Et on va faire une petite expérience. Tu me dis dans l'ordre que tu veux, celle que tu as envie. Alors, tu me laisses faire, hein. Je pense que la première carte est rouge. Ben, je sais pas lequel t'as pris, donne. Eh bien. C'est exact ou pas? Ouais, mais j'en suis sûr de. Ah, oui, mais bon. J'en suis sûr de. Tu peux le refaire dans le même. Ah, je peux le refaire. Allez. On va essayer avec la deuxième. Deuxième un petit peu plus compliquée. La deuxième, je t'assure, ce coup-ci, c'est pas un coup de chance. Qu'elle est rouge. Ah. Tu peux la montrer? Est-ce qu'elle est rouge? Exact. Ouais, ça marche. La troisième. Tu peux me dire la valeur ou pas? Attends, laisse-moi faire. La troisième est noire. Ah, noire. Et c'est du pic. Ah. Je regarde. Regarde. Ça c'est bon ça. Et la quatrième, elle est noire. Regarde bien, quatrième elle est noire. C'est du trèfle et c'est le 2 de trèfle. Noir.
C'est exact. C'est exact. Et ça fonctionne. Donc, moi, je connais l'astuce. Il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas des trucs collés sur ses chaussures. Il peut le faire dans la rue, n'importe où. C'est exceptionnel. Et c'est très bon. C'est original. Ouais. Ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment facile. Très, très bon. Ah oui, c'est d'une simplicité déconcertante. On va dire c'est des simplicités déconcertantes, mais c'est facile à faire, car même, comme tu dis, je le répète, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de complice, hein, parce que vendre un téléchargement ou une explication d'un tour avec un complice, c'est moyen. Donc du coup, non, il n'y a pas tout ça. Il y a juste une certaine condition à faire, à respecter, et vous pouvez faire ce miracle-là. Là, tu l'as fait derrière une table, mais il n'y aurait pas de table. Ah oui, il n'y aurait pas de table, c'est pareil. Nous, tu as les amis, quand tu arrives, tu le fais. Exactement, on est dans la rue, on peut le faire. N'importe quelle carte, on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de bicycle ou de carte bien spécifique. C'est vous empruntez un jeu à un spectateur. C'est rare que les spectateurs aient des jeux sur eux, mais vous m'avez compris ce que je veux dire. Hein, dans n'importe... Vous avez vos amis, la famille et tout ça. Vous empruntez n'importe quelle carte et vous pouvez faire ce petit miracle. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.